Nous venons de finir la première étape de notre processus, définir les champs à dupliquer. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est de définir les formes groupes. Pour être plus précis, définir le form group ou encore un sous-groupe que nous allons inclure à l'intérieur de notre modèle du formulaire existant. Ah, si vous vous rappelez, on a utilisé déjà ce processus lorsqu'on a utilisé l'email group pour pouvoir grouper les emails. Utiliser un form group imbriqué a plusieurs avantages. Cela nous permet d'abord d'effectuer une validation croisée entre différents champs. Cela nous permet de dupliquer dynamiquement un ensemble de groupes d'éléments. Cela nous permet de vérifier ou alors d'écouter les changements réactifs de chaque input élément qui se trouve à l'intérieur du groupe concerné. Mais aussi, on a accès aux éléments tels que touch, dirty ou alors le statut valide de chaque input élément qui se trouve à l'intérieur et il est identifié à l'intérieur de ce groupe-là dynamiquement. Maintenant, créons un groupe que nous allons appeler addresses qui contiendra l'ensemble des éléments qui contiennent l'adresse en tant que groupe imbriqué à l'intérieur de notre modèle existant. Pour le réaliser, rendons-nous dans notre fichier register.component.ts. À l'intérieur de ce fichier-là, on va effectuer un groupe qui est similaire à ce que nous avons utilisé pour le email group. À l'intérieur du form group principal, on peut avoir plusieurs sous-groupes. C'est pourquoi nous allons venir maintenant, avant d'écrire address type, on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler addresses. Puisqu'à l'intérieur, on va avoir plus tard plusieurs adresses, c'est pourquoi je mets ça au pluriel. À l'intérieur, on va appeler le form builder. Et sur le form builder, on va appeler groupe et créer simplement un objet à l'intérieur de ce groupe-là. Maintenant que nous avons créé le groupe, on peut simplement migrer tous les éléments que nous avions précédemment à l'intérieur de celui-ci. Ensuite, on va reformater notre code pour s'assurer qu'il est en bonne et due forme. Maintenant que c'est fait, on va sauvegarder cette partie-ci et modifier la structure de notre HTML pour qu'il puisse correspondre à ce groupe que nous venons de créer, addresses. À l'intérieur de notre HTML, on va repérer d'abord chaque élément, chaque input qui constitue en fait notre adresse. Donc je vais plier ceci pour qu'on puisse repérer chaque élément contenant l'adresse pour ne pas avoir à naviguer jusqu'en bas de page. Maintenant que nous avons groupé chaque élément, je peux identifier aussi celui-ci. Je peux dire maintenant qu'à l'intérieur de ceci, on va créer un div qui va entourer tous ces éléments-là. Un div, et à l'intérieur de ce div, on va écrire, on va donner une directive form group name, et à l'intérieur de cette directive, on va donner addresses, qui est le nom que nous avons donné à notre groupe précédemment. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement migrer tous les éléments que nous avons à l'intérieur de ce form group name-là. Désormais, il sera considéré comme étant sous-groupe de chaque élément qui se trouve à l'intérieur de l'adresse. Si on a effectué cette modification, on peut se rendre dans notre formulaire et on a désormais notre adresse qui fonctionne à nouveau si on écrit AAA à l'intérieur ou alors BBB ensuite. On va voir que maintenant dans notre modèle, on n'a plus adresse type street 1, autant pour moi street 2, city, state et zip comme étant les éléments directs de notre form group principal, mais maintenant ils sont tous encapsulés en dessous de addresses. Ainsi, nous avons réalisé notre deuxième étape pour pouvoir dupliquer les champs dynamiquement. Nous venons de finir la deuxième étape, définir le form group imbriqué qui nous permet d'avoir addresses sous forme de sous-form group à l'intérieur de notre form group principal. Nous allons passer à la prochaine étape qui sera de restructurer notre form group afin de pouvoir dupliquer. Pour pouvoir dupliquer les éléments, cela ne nous aide pas de réécrire à chaque fois street 1, street 2, city, state, mais simplement ce qu'on peut faire, c'est de grouper ceci dans un form group et de pouvoir réutiliser cela à travers une méthode que nous allons créer dans notre composant TypeScript. Pour cela, il nous faut nous rendre dans notre composant register.component.ts. Je vais vous faire remarquer quelque chose à la ligne 66. Lorsque je vais passer la souris sur groupe, vous allez vous rendre compte que groupe est une méthode qui retourne un type form group. Ce que nous faut faire, c'est simplement créer une méthode dans notre composant qui va retourner un form group et qui, à l'intérieur, n'aura qu'à appliquer un return pour pouvoir grouper ces différents éléments-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tout au bas de mon composant. Je vais créer une méthode en privé, private. Je vais appeler ceci create address group simplement. Ce que create address group va faire, c'est simplement de réunir tout ce que nous avons écrit précédemment et de retourner ça sous forme d'un form group. Donc maintenant qu'on l'a fait ainsi, on n'a qu'à écrire return et simplement venir copier ce que nous avons introduit précédemment ici avec 10.formBuilder et appliquer directement à l'intérieur
dis.formbuilder.group, tout ce que nous avons à l'intérieur concernant notre groupe. Ce que nous pouvons faire désormais, c'est de rappeler cette méthode que nous venons de créer, Create Address Group, à l'intérieur de notre form builder initial. Ainsi, avec this.create.create address group, autant pour moi, nous pouvons reproduire ce que nous avons effectué précédemment. L'avantage en mettant ceci dans une méthode séparée, c'est qu'on peut réutiliser cette méthode-là pour pouvoir dupliquer ce même bloc à travers le groupe d'adresses. Si on vérifie dans notre formulaire fonctionne comme précédemment en cliquant ici. Si on introduit les adresses à l'intérieur, par exemple STDSS, et que je confirme dans mon adresse, je vais me rendre compte que les valeurs sont toujours écrites comme précédemment. Donc cela n'affecte pas la structure interne de notre modèle. L'étape que nous venons de réaliser, restructurer pour pouvoir dupliquer, va nous permettre de pouvoir sauvegarder plusieurs instances avec les mêmes éléments à l'intérieur d'une structure de données. Lorsqu'on parle de structure de données en programmation, l'une des plus simples, ce sont les tableaux ou alors les arrays. Et dans notre cas également, nous allons nous servir des arrays, mais cette fois-ci les arrays améliorés pour pouvoir être adaptés au formulaire. Angular a introduit un concept qui s'appelle form array. Prêtons attention un instant au form array et de son fonctionnement pour voir comment est-ce qu'on pourra l'utiliser pour pouvoir sauvegarder plusieurs instances de l'adresse dans notre formulaire. Le form array fonctionne comme les tableaux en JavaScript ou alors dans tout autre langage de programmation. La structure des tableaux permet de sauvegarder plusieurs entités à l'intérieur. Dans le cas du form array, chaque entité peut être soit un form control ou alors un form group. On peut avoir une multitude infinie de form control ou alors de form group à l'intérieur de notre form array. À la différence du form group que nous connaissons jusqu'à présent, c'est que chaque élément n'est pas référencé par son nom, mais plutôt par un index, tout comme dans les arrays ou alors les tableaux. Le premier index est numéroté par 0, le second par 1, ainsi de suite jusqu'au dernier élément dans notre index. Mais cette structure est très appropriée lorsqu'on aimerait sauvegarder chaque form group à l'intérieur, comme dans le cas de cet exemple-ci. Dans notre second exemple, on a trois form groups qui groupent les éléments form control à l'intérieur de ce form group-là. À la différence du premier exemple est qu'on a une structure bien ordonnée à l'intérieur. C'est pourquoi je recommanderais et la communauté également recommande à chaque fois d'utiliser les formes array lorsqu'on a une bien bonne structure de form group à l'intérieur. Cela facilite également la maintenance de votre application parce que dans ce cas, par exemple, vous aurez un index pour chaque groupe qui sera repéré à l'intérieur de votre form array. Comment est-ce qu'on fait pour créer un form array? Nous disposons de deux possibilités avec Angular pour créer un form array. La première technique, c'est comme on l'a fait précédemment avec le form group, c'est d'appeler new pour créer une nouvelle instance de form array. Mais comme nous avons introduit précédemment le form builder, il existe également une technique avec le form builder pour pouvoir créer le form array. C'est en appelant .array à l'intérieur, on pourra construire notre array avec le form builder. C'est cette technique-là que nous allons utiliser à présent pour pouvoir construire notre form array. Nous allons modifier la structure de notre code pour pouvoir créer addresses de façon à ce que ce soit une structure de données en array. Pour cela, on va d'abord importer le form array dans notre Angular slash forms. Et si vous voulez, vous pourrez reformater pour que cela soit sur plusieurs lignes vos différents imports. Je vais le faire maintenant afin que cela passe sur notre écran complètement. Donc là, je vais prendre le form array que je viens d'importer de Angular slash forms. Et maintenant, le form array, je vais pouvoir l'utiliser. Et la première chose que je vais faire, c'est ici dans Address, je vais remplacer d'abord notre discrete address group pour pouvoir obtenir un form array. Pour cela, je vais appeler le form builder, this.fb, et appeler, vous aurez que j'ai trois possibilités, soit control, soit array, soit group. Cette fois-ci, je vais prendre array. Et comme on l'a vu précédemment, je dois passer à l'intérieur un array. Mon souhait, c'est que j'ai au début, une instance de mon array, ça veut dire on va avoir une fois les champs concernant l'adresse. C'est pourquoi à l'intérieur, je vais appeler ma méthode this.createAddressGroup à l'intérieur. Maintenant que j'ai désormais une instance de mon array, ce que je vais faire maintenant, c'est modifier la structure de mon HTML. Pour le moment, nous n'avons pas encore utilisé notre type form array. On va y arriver. Je vais modifier la structure de mon HTML pour que cela puisse contenir addresses en tant qu'array. Ce qu'il faut faire, vous voyez que notre adresse est toujours préparée, c'est de modifier ce groupe-ci là, form group name. Maintenant, comme ça sera plusieurs instances, on va ajouter un div tout au-dessus. Et ce div là va contenir l'ensemble de notre form group name. Comme vous allez peut-être supposer,
Ça ne sera plus le form group name qui prendra addresses, mais ça sera maintenant une nouvelle directive qu'on va appeler form array name qui prendra cela. Form array name en camel case, bien sûr. Et maintenant, à l'intérieur, le form group name ne sera plus addresses, ça sera l'élément concerné par notre array. Pour le moment, notre array contient un seul élément, this.createAddressGroup, ça veut dire que cet élément-là prendra l'index 0. Et cet index-là que nous allons écrire ici à l'intérieur. Vous allez me dire que cela n'est pas très joli, je sais, mais nous allons le modifier tout à l'heure. Pour le moment, essayons de faire fonctionner notre formulaire tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent. Lorsque je viens à mon formulaire, lorsque je retrouve que cela fonctionne correctement, lorsque j'entre à l'intérieur, j'essaie d'entrer mon adresse 1, ensuite je vais prendre l'adresse 2, la ville. Vous allez voir qu'à l'intérieur, la structure a été modifiée. Ce n'est plus seulement les accolades, mais c'est aussi les crochets représentant ainsi l'array avec mon élément à l'intérieur. Ainsi, on vient de modifier la structure de notre formulaire pour qu'à l'intérieur, il puisse contenir également un array de plusieurs adresses. Maintenant, on a un array avec un seul élément. Comment est-ce qu'on peut faire une itération pour obtenir plusieurs éléments à l'intérieur?